Bonjour à tous. Avant de commencer, je veux aussi offrir mes condoléances aux proches des victimes de ce terrible attentat terroriste dans une église à Nice. Il n'y a aucune place pour la violence ou l'intolérance dans nos sociétés. Le Canada est solidaire de la France et de son peuple face à ces actes injustifiables. On est là pour nos amis français. Lors du dernier sommet entre le Canada et l'Union européenne à Montréal l'année passée, jamais on n'aurait pu imaginer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Par contre, ce qu'on savait déjà, c'est que le Canada peut compter sur l'appui et l'engagement de l'Union européenne. Aujourd'hui, le président Michel, la présidente von der Leyen et moi avons abordé divers sujets, notamment notre réponse à la COVID-19, la lutte contre les changements climatiques et notre engagement à défendre nos valeurs communes et à créer des emplois. Commençons d'abord par notre réponse à la pandémie. With COVID-19 cases rising in Canada and around the world, job one is keeping people safe. Canada and the European Union have already committed to the COVAX initiative for global access to vaccines. Today, we agreed to strengthen that cooperation, including on research, access, procurement, and distribution of COVID-19 vaccines. I'm looking forward to continuing these very important conversations about protecting people's health. In our meeting, we also discussed our shared work on the economy. Over the last 3 years, the Canada-EU trade agreement has created good jobs on both sides of the Atlantic, with Canadian exports to Europe up by 20%. Today, we talked about the work to be done on fully implementing CETA to ensure that all Canadians, including farmers, small and medium-sized businesses, and women entrepreneurs, benefit fully from this deal. Good, progressive trade will be key to rebuilding a strong economy that works for everyone. Through CETA, we can also create more green jobs. In fact, Canada will host the CETA Clean Tech Summit, driving our work together to build competitive growth as we fight climate change. We also had a discussion on energy and natural resources, with a particular focus both on investments in hydrogen and on Canada's mining sector as a reliable source of minerals critical to a cleaner tech future. Lastly, President Michel, President von der Leyen and I discussed the defense of shared values like democracy, human rights, and the rule of law. Now, more than ever, we must push back against authoritarianism and isolationism while securing democratic norms. We agreed to work together to protect our democratic systems against cyber threats and disinformation while addressing the arbitrary detention of our citizens. On that note, I want to thank President Michel and President von der Leyen for their continued and vocal support for the release of Michael Kovrig and Michael Spavor. Tout comme nos partenaires sont là pour nous, le Canada aussi se tient aux côtés de ses amis et alliés européens, y compris par l'intermédiaire de l'OTAN. Malgré la montée des tensions dans le monde, nous pousserons toujours pour un dialogue pacifique et constructif. Le Canada travaillera avec ses alliés pour promouvoir la diversité et les droits de la personne, tout en luttant contre la haine, la violence et le racisme systémique. Cela comprend la défense des droits démocratiques en Chine, à Hong Kong, au Bélarus et au Venezuela, ainsi que notre travail commun pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh. Ensemble, nous continuerons de bâtir un avenir plus sûr et plus équitable pour tous. Merci.